just let us escape and fly away tonight. Yo tout le monde, c'est Sasfix. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online à 9.41 pour un nouveau glitch d'argent. Donc avant que je commence le glitch, je vous invite à liker, partager à vos abonnés si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour recevoir la notification de la prochaine vidéo. Donc en fait c'est le même glitch que je vous ai présenté hier, à part que je vous ai un petit peu expliqué, même si il est très facile. Donc voilà, moi je vous le refais, de toute façon il n'y a toujours pas un patch. Donc j'ai pu m'acheter plein d'avions, comme vous allez le voir. Je me suis acheté un avion à 5 millions, le Tulo. Alors pour commencer, il vous faut commander ou acheter une guerre suite dans Custom. Et une fois qu'elle est arrivée, vous la détruisez. Parce qu'il vous faut la mutuelle morse, il faut un véhicule à détruire. Par contre, vous pouvez faire d'autres véhicules, ça vous supprimera pas les autres. Je vais aller les au cas où, parce que ça peut, mais... C'est rare. Voilà, après il vous faut aucun véhicule personnel sur la map. Il faut que vous le renvoyez via le club de motards ou que vous le détruisiez, vous m'avez légué. S'il y a un véhicule sur la map, ben, vous le renvoyez ou le détruisez. Il vous est pas détruit que le véhicule réparé mais tu es morse. Donc après, une fois que vous avez cela, vous montez dans l'avion que vous voulez dupliquer. Bon, pour ma part, c'est le Tulo, donc c'est celui-ci. Voilà, le glitch que je vous ai présenté hier, j'ai pu me faire beaucoup d'argent. Donc voilà, après vous appelez la mutuelle morse, donc c'est là qu'il y a la manipulation. Là, vous appuyez, vous attendez, vous faites R2X. Donc, je vous redis, vous faites pas R2X en même temps. R2, et dès que vous appuyez sur R2, tout de suite après vous appuyez sur X. Donc après ça va vous faire sortir dehors normalement que votre avion ou hélicoptère. Après vous rentrez votre hangar. En plus ce qui est bien avec cet avion, si vous êtes dans un que ça comment dire, où vous pouvez pas tourner, vous pouvez mettre un hélicoptère et ça c'est plutôt pas mal. Donc après j'ai oublié de vous dire que bien sûr si vous dupliquez par exemple les Buzar, l'Hydra, le Bessra, les anciens et que les aériens, ça ne marchera pas vu qu'on peut pas les vendre. Ça marche avec les nouveaux avions hélicoptères du DLC contrebande organisée. Donc si vous faites avec l'Hydra Buzar, vous en aurez deux, vous pourrez pas le vendre. Voilà, donc vous rentrez dedans. Donc si vous avez plus de place dans votre hangar, ça va le mettre dans votre dépôt ou alors vous supprimez un avion. Moi par exemple, vous allez vous dire que le glitch n'a pas fonctionné. Il a bien fonctionné, c'est juste vu que je n'ai plus de place. Il s'est mis tout seul dans le dépôt. Donc vous allez au même endroit que moi, votre flèche de droite. Et après, vous mettez le véhicule que vous avez dupliqué donc moi, à un emplacement vide. Donc moi par exemple, c'était le Tula, comme je vous l'avais dit, c'est le gros avion. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai la duplication. Donc messieurs, on n'allait pas croire que j'en ai acheté deux. Petit 10 millions pour deux avions après le revendre, ça sert un peu à rien. De toute façon, vous verrez que c'est bien une duplication parce que vous allez voir ce que ça marque. Donc après, vu que j'ai dû modifier les emplacements des avions, j'ai dû tout remettre. Pardon. Donc vous allez voir que c'est une duplication. Donc là, vous pouvez pas voir la duplication, il faut vous vendre l'original. Parce que vous allez voir ce qu'a marqué la duplication. Donc vous faites flèche de droite, vous allez dans vendre, vous allez avoir marqué, désolé, vous ne pouvez pas vendre un véhicule valant de plus de 50 000 $. Donc c'est normal. Donc vous ne pourrez pas le vendre. Donc ça marche qu'une fois en fait le glitch. Si vous faites le refaire, vous faites d'autres hélicoptères ou avions, ou vous le rachetez. Donc voilà, ceci c'est l'original. Donc vous allez voir, quand je vais vous le vendre, je vais vous le vendre plus de 2 millions. Voilà, plus de 2 millions. Donc c'est assez énorme et en plus, vous savez quoi, il est même pas encore custom. Je n'ai pas customisé comme vous voyez. Donc si non custom il coûte tout ça, alors custom je vous dis pas.
Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je sais pas si le glitch t'aurait aimé et t'aura plu. C'était Sasfix, c'est tout le monde. Peace!